passer bonjour. Le public qui est présent au Port-Louis Waterfront, du bruit s'il vous plaît. Du bruit s'il vous plaît. Le champion du midi, spécial Coupe du Monde, la grande finale. Nous tiens vie, fait un petit public grandiose. Nous battons vie en ce dimanche après-midi. Nous restons dans le studio enfermé. Bien au contraire, nous n'en vivons face de Zeut. Le public est bien présent au Port-Louis Waterfront. La grande finale. Alors là, et ce qui est intéressant, et là, un petit rap pour table avec ça. Un petit guet champion du midi. Là, lève la même côté. Un, deux, trois, mais Zeut, tout en fait. Presque Zeut, tout. Petit beau table de l'armée, le laptop, tablette. C'est mon souhait de beau table, mon vin de mon zut au Port-Louis Waterfront. Bon, c'est que mon démarre tout à l'heure, pas de nos gaines réponses, pas souffler, reste tranquille, nous laisse nous man finalistes concentrés. Mesdames et messieurs, nous sommes en live, en Facebook live, défimedia.info, la chaîne YouTube Télé Plus, la page Radio Plus, commence liker, commence partager, faire connaître qu'il finit de démarrer. La finale pour démarrer dans quelques instants, c'est la fête et le programme de vous continuer. Ziadi Sak pour prendre le relais, Ton Simon, Yanni, Jean-Bel, l'équipe Radio Plus, immobilisé pour Zeut, car à partir de 19h, l'autre finale qui vous démarrer, et là, c'est la finale tant attendue. L'Argentine face à la France. Est-ce qu'il y a une équipe, une fans de l'équipe de France ici, la France. En France, c'est la même. En Argentine, la même. 3-4 pour là. Bonne Benin qui vers 5. Pas plus, il met un petit coin pour là-bas. Merci à nos partenaires, sans eux, ben nous partons pour capable, récit arrive là, ici au Port-Louis Waterfront, mais quelle aventure, pour la première fois, nous réalisons une émission comme ça, que nous prenons tout le monde sportif, de renom, c'est un champion des champions, athlétistes, kickboxers, enfin, je t'ai suivi et je t'ai affronté pour la première fois, et c'est grâce à nos partenaires Pepsi, Super U, Ideal Shopping Center, Hune, Mad Max, qui trouve à Curepipe, Sunshine Center à Curepipe, All Sport et The Football Pool, l'Autotech nous applaudit bien fort, le man partenaire, allez bravo. Et nous grands gagnants aujourd'hui, coup des croches, les prix en or. Qui était ça? Nous le répétons plusieurs fois. Une télévision, une Smart TV de la marque Shop offert par Ideal Shopping Center. Un smartphone de la marque Hune d'une valeur plus de 20 000 roupies. Et le petit shield offert par Mighty Printing and Technologies Limited. Guerrier. Un petit livre, un gros trophée dans le dos. On a une petite place pour lui, la tablette, c'est arrivé au cas où. Non, ça, non, ça pour l'Argentine et la France, le bureau de trophée Coupe du Monde, net, hein. Qui c'est le bureau de ce trophée-là? Merci d'accueillir nos premiers finalistes du bruit pour Ryan Trapu. Ça va, Ryan? Il amène ce fan club. Côte famille, un beau côté? Lève la main. La mamzelle qui peut signaler là. Qui était pour Ryan? Soucir. La sœur de Ryan Trapu la même. Libé dans la voix. Ensuite, c'est là qui là? Grand-mère? Grand-mère, oui. Ah, tu l'amènes la casanette. Tu l'amènes sur la case, sur voisin, sur voisine. Et il y en a parfaitement raison. Ryan Trapu, footballeur, Rochebois Bolton City, également chanteur. Oui, pas vrai? Oui. Comment tu trouves l'aventure, Ryan Trapu, prend des pays, nous peut dire, 8e des finales, quoi, des finales, ben, il est même là. Hein? C'est compliqué, il n'est pas trop facile. Pas tout question qui est évident. Pas tout connu. Je vais quand même arriver au final. Oui. Ryan Trapu, première fois, il est venu, il n'est pas trop connu, il n'est pas trop aussi, il n'est pas comprend football, mais il finit, il arrive là. On va voir comment il fait ça. Est-ce qu'il y a un match qui reste dans la tête là? Parce que vous connaissez, il y a la voix qui reste dans la tête. Pas moi la voix, mais sur la voix qui reste dans la tête, qui tasse dans la tête. Mais est-ce qu'il y a un match qui te retenir? La demi-finale contre Fabrice Boulouk, mon quoi? Oui. C'est un très beau candidat. Ça, c'est coriace, hein, à ce bout-là? Pourquoi une seule question de bord à ce mon quoi? Vous rappelez ça? Et c'est là qui, grâce à sa question-là, Ryan Trapu, ici, sur ce plateau. Je te connais, moi, un petit peu mes santé. Comment trouver une santé qu'il a? Quand une santé, elle a qui est arrivée? Elle a besoin de santé, une petite affaire? Un petit bout au moins.
un petit refrain parce que tu as l'air coupé forme là pour le public. Qui s'en a qui envie d'en bout sur la voie d'Aze? Qui s'en a qui envie d'en sur la voie d'Aze dans la tête ma cabrille? Allez, Ryan, envoyez un petit bout. Un petit bout. Sur la voie d'Aze dans la tête pas cabrille. Mon père au démaillé pas cabrille. Mon tombe dans un trou trop fort. Quand mon épique pas élevé. Mais oui, sur la voie sur cadence, fais-moi vivre. Bravo. Merci, merci. Vous veillez en santé, hein, la face au litrape, c'est un micro là, comme ça. Il embrasse micro là, de votre oeil. Hein. Ryan Drapu, bonne chance. Le public, de ma famille là même, fait le maximum. Et est capable de décrocher pour la première fois le titre champion. Bon, champion midi. Ce titre là, hein, le titre de l'émission, on arrive presque 5h-15. L'adversaire de Ryan Drapu, l'autre finaliste, Jonathan Barnetier. Applaudissements. Ce fan club, pas de place pour des vents, là-bas ici. Jonathan, bon après-midi. Bon après-midi, Brandon. Bon après-midi, Ryan. Ça va? Ça va. On a quoi faire? Est-ce qu'il y a l'adresse pour faire là? Rafraîchis pour tout. Oui, le pour lui, votre fond. Il y a un peu de soleil là. Tiens, un peu de soleil. Espérez-vous, man, soleil là, qui touche Jonathan Barnetier. Alors, Jonathan Barnetier, athlète, sprinter, s'il vous plaît. Et depuis le commencement de l'émission, il n'y a pas dans le tout, ni dans le camion, ni dans l'avion. Comment le vin là? Galoupé. Un sprinter, un vini, galoupé. Médaillé d'eau. 2019, 100 et 200 mètres. Jeu des îles. Et puis, plusieurs fois champion. Oui, plusieurs fois, belle compétition africaine et internationale aussi. Très bien. Il y a la chance, on peut être Maurice à plusieurs compétitions. Jonathan Barnetier, vu qu'il y a un petit dans la piste, et là, devant le micro, un pupitre, vous connaissez plein d'exercices qu'il vous fait souvent. Exactement. Comment on trouve l'expérience depuis le début de ce jeu? En fait, depuis le début, même pour aller quand même plaisir, une fun. Oui. Parce que, pour aller pas, c'est facile. Le Wikipédia, le côté pour aussi pour là, mais bon, mon bien, enfin, mon amusement, je calais mon amusement. Et si il y a un match qui nous retenait, il y a un match contre Andy Sophie. Andy Sophie, vous rappelez, c'est serré. Oh là, 45-40 points. J'espère que vous avez une question qui déporte à genoux, d'accord. Donc voilà, mais bon, après, une réussite du dis Ryan Barrett, un dernier, hein. Il y a mon gâté, il y a un match de Zelle, on a commencé, comment doucement, doucement, puis après, il dit bah. Bon. C'est la grande finale, mesdames et messieurs. Jonathan Barnetier face à Timassine Diesel, Ryan Drapu. On y va, première manche. C'est là qui connaît première manche, ma belle. Plus fort qui ça? Big Bull. Big Bull, c'est 5 questions. Chaque question, 4 propositions de réponse. Et là, maintenant, pas encore des bonzettes. A, B, C, D. Et chaque bonne réponse. Il est égal 5 points. D'accord? Donne attends mon signal, vous êtes capable, lève vous pas encore, comme ça, parce que vous avez look, nos pupitres, vous êtes camarades. Voici la première question. Jouez chez vous en commentaire, likez, partagez, c'est la finale. Ryan, Jonathan, quel seul pays africain s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde? Est-ce A, le Ghana, B, le Maroc, C, la Tunisie ou D, le Sénégal? Et si vous pensez, vous avez répété sa question là, oui, c'est pas nécessaire, je l'entends dire. Ryan, vous avez répété, tout simplement encore, affiché. Retourne-moi vers Jonathan Barnetier. Le Maroc. Le Maroc. Un exploit, hein, historique. Ouais, historique. Ryan Drapu, Maroc, l'équipe s'est lancée. Oh. La France. La France. Bonne réponse, 5 points chacun. Le Maroc. Le public, je dis pour moi, là, ça prend la bonne réponse, t'applaudis. Wouh, ouais. Parce qu'il y a faiblesse, mais il y en a allé à l'armée. Le Maroc est devenu la fierté de l'Afrique après avoir atteint les demi-finales en tant que seule nation africaine. Ben, marocaine rend nous fiers en tant que pays africain. Deuxième question. Lors du match Angleterre-France, t'es guetté ce match-là, Angleterre-France, du 10 décembre, qui a été l'unique buteur de l'Angleterre. M'aurait dit, lors du match Angleterre-France,
du 10 décembre qui a été l'unique buteur de l'Angleterre. Man anglais, est-ce A, Olivier Giroud, B, Marcus Rashford, C, Phil Foden ou D, Harry Kane? Saint Bogot, affiché. Ryan. Harry Kane. Il y a des matchs là? Pas mal sur l'équipe ça. Il attend sa troisième étoile là, ce maillot, le maillot de man français. Logo de la France qui était? Qui est à gauche là? Hein? Ce logo qui était. Mais si, ouais, si, bon, man français, ce logo qui était là. Et puis, on te bouge à coke. Coke, c'est un animal ça. Ils sont hantés quand matin, allez-vous? Je vous l'attends. Harry Kane. Harry Kane, 5 points chacun. La réponse D, exactement, Harry Kane. Bien que l'Angleterre ait perdu contre la France le 10 décembre sur le score de 1-2, Harry Kane a été le seul à marquer un but à la 54e minute. Troisième question, nous comptons Pickpool. Quel est le surnom de l'équipe uruguayenne à la Coupe du Monde? Il y a un surnom, parce que chaque pays a un petit surnom, un petit nickname. Et quel est le surnom de l'équipe uruguayenne à la Coupe du Monde? Est-ce A, The Free Lions? B, Les Lions Indomptables? C, La Céleste? Ou D, Les Oranges? A, The Free Lions? B, Les Lions Indomptables? C, La Céleste? Ou D, Les Oranges? Doucement code, affiché. Ryan Drapu, footballeur Rouge-Bois Bolton City, chanteur, également finaliste. Dis-moi qui vous affichez, qui vous choisir. La Céleste. La Céleste. Jonathan Bardetier. La Céleste. La Céleste, bravo, 5 points chacun. Quel match. La personne qui fait lâche prise, hein. Team ferme. The Free Lions. La Brésil. Free Lions. L'Angleterre, les Lions Indomptables, Cameroun et les Oranges, Hollande, Pays-Bas. Bon, l'équipe, d'offert. L'équipe uruguayenne est communément appelée la Céleste qui signifie le ciel bleu. Quatrième question. Nous continuons. Lors du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La compétition là qui peut dérouler actuellement, dernier aujourd'hui, la finale. Lors du tour préliminaire, écoute bien question là. Lors du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, l'île Maurice a joué contre quel pays? Ryan Drapu, footballeur, club M, baby club M, on va vous écouter. Est-ce A, le Mozambique? B, la Sierra Leone? C, le Burundi ou D, les Seychelles? Tour préliminaire, avant que moi dire qu'il ne soit pas qualifié pour la Coupe du Monde. L'île Maurice, le club M, qui jouait contre quel pays? Est-ce A, le Mozambique? B, la Sierra Leone? C, le Burundi ou D, les Seychelles? Tout simplement encore affiché. Ryan Drapu. Comment? Mozambique. Est-ce qu'il... Quand le club M signe, le baby club M, je jouais contre même l'équipe ou pas du tout? Mais ou suivre le club M quand même? Le Mozambique, Ryan Trapune propose nous, pas encore A. Jonathan Bardetier? Pareil, parce que les autres pays. Moi, pas en tête Maurice, mais ça va aller. C'est celle amical, moi, pense. Amical contre celle, oui. Mais si à Mozambique, si à Mozambique. Mesdames et messieurs, le public qui présente. L'île Maurice qui jouait contre le Mozambique. Bravo! 5 points! Oh! Il y a personne qui peut prendre l'avance, hein? Pour égalité. L'île Maurice a affronté le Mozambique au Stade Anjalé le mercredi 4 septembre 2019 pour le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la FIFA. Mais en vain, malheureusement, Van Gabav va réussir à qualifier pour la Coupe du Monde. Nous rappelle. Et qui sont capables de suivre nous en Facebook Live, défimedia.info. Là, tout de suite, si vous allez au défimedia.info, vous trouvez nous en direct ici au Port-Louis Waterfront avec un joli public qu'il a. Le public!
La mademoiselle qui est devant là, c'est la sœur de Ryan Drapeau, parce qu'il me pose question. Cinquième et dernière question. Qui est l'entraîneur de l'équipe nationale de la Croatie pour cette Coupe du Monde? Et là, ça commence à corser. Est-ce A, Hadžime Morijašu? B, Zlatko Dalić? C, Gerardo Martino? Ou D, Hervé Renard? Le coach, l'entraîneur, le sélectionneur de la Croatie, comment y appeler? A, Hadžime Morijašu? B, Zlatko Dalić? C, Gerardo Martino? Ou D, Hervé Renard? Affiché. Jonathan Mardetti est médaillé d'or, je les ai, le 2019. Zlatko Dalić. Dis-moi ça. Zlatko Dalić. Qui fait? Vous connaissez? Ils sont croates. Tout le monde croate, c'est un ic dans votre monde. Dalić. Dalić. Et Rusic. Rusic. Modric. Modric. Marjan Tarbucic. Allez, vous écoutez, Marjan. Pas pourquoi dire ce nom. C'est un goût. Zlatko Dalić. Zlatko Dalić. Exactement, ça. Zlatko Dalić, l'entraîneur de l'équipe nationale de la Croatie depuis 2017. Hein, et l'a mené à la deuxième place de la Coupe du Monde de football 2018. Et là, il remporte ce match face au Maroc, troisième place. Voilà, terminé concernant nous, Big Bull. Je ne vais pas prendre un point à Stella. Nous avons toujours le suspense. Mais maintenant, c'est qui qui me suivent depuis le début. Mon grand, je vais remarquer qui est un zéliti match qui nous persiste. Et le deuxième manche, c'est un thème imposé. La grande finale, le champion du midi, spécial Coupe du Monde, Jonathan Mardetti à ma droite face à Ryan Drapeau qui donne des candidats pour décrocher les prix en or. Nous rappelle les prix en or au 10e niveau, allez là, une télévision, un Smart TV de la marque Shop, offert par Ideal Shopping Center, un smartphone Honor du valeur de plus de 20 000 roupies, smartphone Alila, qu'est-ce qu'il a? Présent, ce petit sac, et bien sûr... Ne pas dire le père, non, mais c'est qui malheureusement pas pour remporter le match, les pour remporter les 5 000 roupies offerts par The Football Pool, le Totec. D'accord? Ok? Et ce n'est pas démérité. Le thème imposé, messieurs, c'est ban final. Les finales. Tout man final de la Coupe du Monde. Et rappel, un petit rétrospectif dans la tête. Final ordoise, moque, c'est qui plie rapide, affiche son premier, lisible surtout. Reste les coups, et manettièrement, voici la première question. Marie Bassin. Hein, hein? À son suspense, elle passe, à mon sens, vous aurez une poussée de... Lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, contre quel pays les Pays-Bas ont-ils joué? Dégagez, vite, vite. Faites bien devant eux, s'il vous plaît. Faites bien, affiche bien devant. Caméra capable de trouver. Messieurs, si possible, donne-moi ma réponse en français. D'accord? Si la question est en français, réponse de l'ordre effacée. Vous répondez la question, mais pas écrire, attendre réponse ça. Fini poser les lasers d'écrire. Correct? Ok. En français. À partir de là, maintenant, tout réponse pour bien en français. C'est bon? Bien aucune confusion. Ou bien aucune confusion. Léo, vous répondez. Correct là? La rapidité qui est importante. Attends-moi, fini, pose question à la fin. Et là, je t'écris une réponse. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, contre quel pays les Pays-Bas ont-ils joué? Moi, forme qui Ryan Drapeau, une affiche sur l'ordoise en premier. Ryan, mettez-vous tout os, centré libre, vous m'en êtes un autre capable de trouver. Très bien, bien. Un petit peu de la Pâque Mousse. Un E qui met un zoli casquette, comment dire. Et on écrit Ryan.
Espagne. Jonathan? Espagne. Jonathan, il est quand Espagne là? Comment on peut comprendre ce mot? Où peut comprendre? Vous avez créé une façon que tout le monde peut comprendre. Espagne, 5 points pour Aya. Applaudissements. Et Man City est venu pour supporter Jonathan Bode. Tu es capable de pleurer. La finale de la Coupe du Monde 2010 s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, et a opposé l'Espagne et les Pays-Bas. L'Espagne devenant championne. Deuxième question. En français, s'il vous plaît, hein, la réponse. La finale de la Coupe du Monde 2006 a eu lieu dans quel pays européen? 2006. Affiché. Arrière droit effacé. Ryan Drapuy en premier. Ryan, si possible, est-il centré ou lordoise? On est capable d'apprécier ou joli l'écriture. Vous voulez écrire, Ryan? Italie, pas bon. Allemagne. Allemagne, 5 points pour Jonathan Barbetier. La Mannschaft. La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 est un match de football qui a eu lieu le 9 juillet 2006 à Berlin, en Allemagne, et qui opposait l'Italie à la France. Pourquoi on confond là avec man finaliste et le pays hôte, le pays organisateur? Pas grave, laissez rattraper la Ryan, ok? Jonathan Barbetier, correct? C'est bon? Troisième question. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, combien de buts la Croatie a-t-elle marqué? Allez. Jonathan Barbetier en premier. On va arriver. Les bons enfants payés là. Oh, bolom loulou. Et on est clair? Trois. Et vous sentez qu'il répond ça par Lisa? Ouais. Allez, rien de drapu. Et on est clair, 24? Et? Il y a des étangs, moi, non? Qui est à côté là? Moi, on peut comprendre. Qui était ça? Vous levez? Aucun rayé. Ne levez-moi aucun rayé. Hein? Ok, nous comprenons. Pense pas à l'Ibouet 24-0. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, Croatie Timok. Deux buts, Ryan Drapu, 5 points. Bravo! Oh là 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 là, Jonathan, Ouais, après, c'est Nabriti. C'était pas, c'est la France. Et la France, il remporte ce match. Pas deux. Il met un drapeau français, d'ailleurs, vous êtes pas content. Les footballeurs croates Ivan Perisic et Mario Mandzukic ont été les seuls buteurs de la phase finale de 2018. Ils ont inscrit un but, respectivement, à la 28e et la 69e minute. Quatrième question, toujours pour le thème imposé. Rappel, nous en direct ici. Le Port-Louis Waterfront pour la grande finale, défimedia.info en Facebook Live et en direct le Radio Plus. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Argentine? À l'époque là, Xana qui entraîne l'Argentine en 2014. Si vous mettez ce nom famille ici, nous acceptez. Ok. 2014, hein, je vais dire. Ryan Drapuy en premier, on m'informe. Scolari, pas tu es en train de Brésil, ça. Ou non, Portugal, si je m'en rappelle. Portugal ou Brésil, quelque chose comme ça. Brésil. C'est pas de mon âge qu'on écrit. Dis-moi qui on écrit. Maradona. Eh ben non, messieurs, c'est Alejandro Sabella. Alejandro Sabella, nommé entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine. Tu connais, non? Pas de regret, alors. Il amène l'Argentine à la finale 2014 contre l'Allemagne où elle s'incline 1-0 en prolongation. Cinquième et dernière question pour nous, thème imposé. Quelle année a été la dernière apparition du Brésil en finale de la Coupe du Monde? Dernière fois l'inapparaît. Finale Coupe du Monde, Ryan Drapu finit d'écrire, c'est qui pour l'inafficher en premier. Ensuite, Jonathan. Ryan, moi écoute-toi. Oui, Brésil même. 2002. Jonathan. 2006. La bonne réponse, bien sûr. 2002, 5 fois pour Ryan. Alors, on va en essayer de vous le faire, attention, Jonathan. Non, au 2006. Oui, non, c'est 2006, je m'en trompais, l'Italie. L'Italie, la France. Ouais. Elle a un coup de boule. Tête de Zidane. Bon, anyway.
Non, pour annonce équipe est venue et là après nous t'aime imposer 5 questions infinies posées. Normalement, si vous suivez le champion du midi, vous connaissez qui après ça et na une finale. Vraiment vrai. La finale. Exceptionnellement en ce dimanche. Si. C'est qui nous pour faire Jumbo. Attends, un petit moment nous continuer. Vous connaissez où bloc là, vous connaissez où. Bonjour tout le monde qui est tout bon internaute qui peut check nous, sorry. Mon fait une petite intervention. Parce que accoutrement. Vous connaissez combien de monde peut dire moi ça? Vous connaissez combien de monde peut dire moi Vini? Vous peut dire moi. Tant, ben il finit, allez où mettez? Le Brésil depuis Londres, il n'y a pas de bagage. Non, bon, bon, Vini, expressément pour montrer aux autres combien d'étoiles est dans l'eau là. Ok? Quand on arrive, on coste un petit guinot ali au moins. Les là nous causons, nous continuons. Qui veut dire? La courage ou mettre ça au Brésil là, hein? Moi, la courage parce qu'il va chier dans 4 ans, nous pourrons là encore. Parce que tout le temps, Coupe du Monde, il déroule au Brésil. Alguété dans toute l'histoire depuis Coupe du Monde, il commence. C'est Brésil, si là, comme dit un camarade, dit à moi la fois dernière, un caripoule. Si Penapoule, il va appeler le caripoule, vous pouvez comprendre là. Et. Sinon, on s'en vient du midi, il peut bien passer. Pour... Vous bien content, vous nous rendez une petite visite. Oui, vous faites un petit intro. Un joli petit public qui vous capable de chauffer un peu. Public la même. Oui. Français la même. Oui. Argentin la même. Oui. Qu'est-ce que vous venez de mettre ce t-shirt? Quand les gens gentils. Quand les gens gentils, exactement. Gagnez là-bas. Enfin. Il va rescaper. Oui, il va rescaper lui-même tout le temps. Mais vous connaissez où? Pas applaudir à Stella. Stella nous applaudit. Vini, mademoiselle. Non, vous avez fait qu'il m'a pas au courant. Vous connaissez ça. Brise, vous connaissez, non, on est pas pour moi. Pas moi qui décide. Allez. Pareil. Qui tout d'un là, là. Couchez-nous, allez, Lydie. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? Tout le monde qui la tape dans la rue. Nous mettons la rue, c'est quand même le micro. Merci beaucoup, mademoiselle, merci. Couteau Simon, s'il vous plaît. Aïe. Ah. En tous les cas, qui vous dit à bon sens, tous les deux. Merci beaucoup. Hein? Sinon, Renel qui bagne. Oui. Hein, on connaît Renel qui était voulu. Renel Drabu. Hein. Tonton. Tonton. C'est Tonton. Hein. Tonton Renel, mec, tu fais la cité. Je ne vais pas mettre du fénant sans champion du midi. Il va l'avoir dans sur la tête. Lui. Allez, nous continuons, mon homme. Yes, nous continuons. Merci beaucoup. Merci, ton Simon qui rend une visite tout à l'heure. Il vous présente pour une petite animation avant que l'Argentine et la France affrontent. Et des bons yeux d'ici, un écran géant qui nous mettait au port, lui, Waterfront. Avant qu'il nous entame la finale, une surprise pour nous, man finaliste. Jonathan, guette-moi, ici. Là. Tout peut guetter là-bas. Madame. Vous guettez madame. Ou madame. Oui. Heureusement. Ayane, n'amène madame là, non? Monsieur. Oui, mon gombo, monsieur. Nouéna, nous vous proposons une manche en plus. Ça, il existe dans la finale qui nous met dans notre salle. Il existe pour cette finale. Ce qui peut arriver, nous reprenons l'ordoise dans la main. Benen, Gavis, Joe, l'équipe, de tout attentif à ce qui peut arriver. Vous pouvez aller. Je vous donne un indice, étape par étape, phrase par phrase.
Je m'écoute moi là. Phrase pour phrase. Public, pas donne réponse, pas souffler, sinon nous pouvons annuler la question. Oui, au bout d'un, peut-être que du monde, que de la personne restée, que de l'inné, qui nationalité y était. Du moment où je trouvais qui ça jouait football, qui nous péronnait là, je finis de connaître qui ça là, je décris vite vite dans l'ordoise et je t'affiche. D'accord? Il commence par difficile, il pouvait être plus facile. Oui, oui, Ryan? Affiché, si mon directeur oui, oui, c'est la bonne réponse. Il dit non, tu repose de l'ordoise, tu effacé, tu dans ton sens. La même chose pour Jonathan Bardetier. Oui, c'est bon. Il vous commence pas plus difficile, il vous vient plus facile. Jonathan, est-ce qu'il vous a une question? Non. Elle a dû mettre un bord. Ah, ok, allez. On est prêt? Prêt. Ouais. Je suis un footballeur international français, évoluant au poste d'avant-centre. Je suis un natif de Lyon. J'intègre le centre de formation de l'Olympique Lyonnais à l'âge de 10 ans et signe mon premier contrat professionnel en 2005. Ryan Trapune, propose-moi quelque chose ensuite, quelques secondes après. Jonathan Bardetier, Ryan, qui on écrit? Benzema. Vous écrit bien micro, hein, parce que vous... Benzema. Benzema. B-E-N-Z-E-M-A. Si possible, lorsqu'il nous peut... Très méticuleux, là. Jonathan peut écrire gros. Est-ce qu'il nous laisse passer ça, t'il écrit là, Vénène, parce qu'il... ne pas connaître, hein. Nous laisse passer pour une pointe... Là. Ouais, nous avons un sens, là. Rédiez-moi aux réponses. Benzema. Benzema, Karim Benzema, bravo. Non, exact. Non, rapidité là, si. Oui. Moi, on a réponse, c'est clair. On a réponse. Ah, moi, tu pensais. Non. Moi, vous continuez étape par étape. Oh. Marquez une réponse, mettez-le à l'ordoise. On a dit ça, on dit difficile, un peu moins difficile. Il est là. Par la suite, il est parti. Bon, numéro d'un lutte, joueur de foot. On est bon? Quelle question? Si c'était la question, pas hésiter, parce que c'est la finale. Je suis un joueur de football du continent africain. Né le 10 avril 1992 dans le village de Bambali près de Sédiou. En 2009, j'ai intégré l'AS Génération Foot. Ryan, il propose-moi quelque chose. Avant qu'il me continue, qui vous voulez écrire? Salah, Mohamed Salah? Non, à Mohamed Salah. Jonathan, il propose quelque chose lui aussi. Mané? Oui, Sadio Mané, bravo! Ben oui, le club, il s'est intégré là, c'est Génération Foot. Et par la suite, il a signé ce premier contrat avec le club français. Et le même année, c'est l'équipe qui reléguée, là, qui rejoint Red Bull Salzburg. Par la suite, il a joué pour Southampton. Après Southampton, quelle équipe Mané a joué? Il y en a beaucoup, fans Liverpool ici, l'équipe Ton Simon exactement. Et en 2022, cette année-ci, il rejoint officiellement le Bayern Munich. Très bien. Vous pourrez servir l'ordoise. Ce coup-ci, je vous inquiète long l'écran. D'accord? Il y en a 4 photos qui pourront afficher. Attention. Je vous suis incapable de moi, pays qui nous péronnait. Une photo là pour afficher étape par étape. 1, 2, 3, 4. Attends, quatrième photo finit afficher. Les là qui se donnent réponse sur l'ordoise. Pas rapidité là. Non, il y a rapidité, il faut tous les 4 photos finir afficher. Ouais. 1, 2, 3, 4. Le quatrième, bah, je commence à écrire. Ouais. J'entends, ça va? Vous voyez un ticket dans moi? Non, ça va. Ouais. Concentré? Voici la première photo. C'est un goalkeeper, René Higuita. Deuxième photo. La chanteuse Shakira. Troisième photo. Le footballeur
James Rodriguez. Je nous termine avec quatrième photo. Top, c'est parti, éclair. Ryan Trapu en premier. Vous d'accord, Jonathan? C'est bon? C'est bon. Colombie. Comment vous connaissez Colombie? Guita. À Shakira? Vous sentez le Shakira qui est où? Il me promet là. Oui, bonne réponse, 5 points. Colombie, bravo. 5 points pour Ryan Trapu. Deuxième photo. Deuxième étape. Ah, ça c'est un vêtement traditionnel. Là, au moment des Odingaeli, mais... Donc, c'est la couleur peut-être. Deuxième photo. Zlatan Ibrahimovic. Ça paye le Bérodé là. Attention là, hein, quatrième photo, là je t'éclaire. Ryan Baikre-Dornier. Troisième photo. La ville de Stockholm qui n'a affiché le map. Et le termine avec dernier. Top. Jonathan Bardetier propose-tu quelque chose? Oui, Jonathan. Suède. La Suède, Ryan. Oui, la Suède. Oh, 5 points. Pour Jonathan Bardetier. Pour Rolo Zlatan Ibrahimovic, tu finis qu'il y a Jonathan. Hein? Non, le capital, la Suède, Stockholm. Le second là qui est une ratio, ouais, c'est plus. Avec la couleur aussi. Et le quatrième, c'est le drapeau de la Suède. Voilà, ça c'était concernant nous dimanche en plus, Eti. Un petit gadjak qui nous a envie pour vos yeux, des petites affaires qui créent la différence pour cette finale. Nous rappelle que Jonathan Bardetier face à Ryan Trapu, c'est la grande finale, le champion du midi, spécial Coupe du Monde. Nous ici, au Port-Louis Waterfront, pour qu'on finisse, nous avons une quatrième et dernière manche. A tout de suite, personne ne va bouger. Autrement. Est-ce que vous détenez une police d'assurance avec la LIC? Pour que votre police d'assurance ne soit pas interrompue, assurez-vous que votre carte d'identité et une récente preuve d'adresse soient enregistrées à la LIC. Étant détenteur d'une licence de la FSC, il est requis à la LIC de s'assurer que tous les renseignements du client soient soutenus par les documents officiels. Veuillez contacter votre agent ou la LIC sur 211-04-65 en mentionnant les numéros de votre police d'assurance pour s'assurer que tous vos documents soient mis à jour comme réclamé par les demandes de la FIAMLA 2002 et toutes les lois régulateurs du pays. L'année qui peut coûter, Honor propose Urban Super Deal que tu es capable de gagner un top smartphone pour moins que 10 000 roupies. Honor X6 avec ses 3 caméras arrière et ce batterie qui tient extra longtemps, il y a seulement 7 990 roupies. Honor X7 qui est en cours, plus il y en a 4 caméras arrière, 4 Go RAM et qu'une mémoire interne 128 Go, il y a seulement 9 490 roupies. Et là, Honor déjà a tout service Google installé, puis il y a 2 ans garantie et que smartphone là bien sécure. Venez découvrir les smartphones Honor dans les succursales de Quartz Mammouth. When Pepsi meets Lay's. We go together like a beat and groove. We go together like a party in summer. You know that we gonna make everyone turn their heads. Combination.
retour ici au Port-Louis Waterfront pour la finale de cette émission, le champion du midi. Bon, normalement, il est midi 30, 13h, mais là, champion est arrivé 5h20, 17h20. Ryan Drapu face à Jonathan Bardetier. Vous espérez que passez un bon moment, vous, les internautes du défimédia.info. On a une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes même qui connectez sur le live. Le Handball Football, c'est ça? Handball Football offert par The Football Pool, l'autothèque qui a envie de donner sa boule là, à Bull Football là, en cadeau. Alors, faites votre réponse, c'est qui a envie de participer. Une question que nous poser pour la finale, mettez votre réponse en commentaire, en case commentaire, et nous faisons un tirage au sort à la fin. Côte sa boule. Jonathan, n'est-ce pas sa boule d'un coup? Et n'est-ce pas, ça ne m'offre pas, il a. Le ballon se prend pour ton cadeau. Vous êtes sûr qu'on va pas participer, c'est qui là, c'est qui présent, l'eau page Radio Plus, ou défimédia.info. Mettez votre réponse. Ok? Good? Mais dis-le pour te tirer. Allez là. T'as pas un goût d'anon? Tu passes? Goal. Jonathan met goal. On y va. La finale. 30 secondes. Chaque participant, 5 questions. Quand on ne connaît qui nous fait? Passe. Normalement, on a un petit 2 points. Et là, nous, on fait un petit peu de sensité. Nous pouvons aller pile ou face. Celui qui vous commence en premier. On y va. Ryan Drapu, vu qu'il donne un petit peu petit. Pile. Ok, d'une tournée. Passe. Il veut dire. Il y a un fan club d'ailleurs, il y a un supporter. Il veut dire, c'est Jonathan Bardetier qui commence en premier. On y va. Jonathan Bardetier, sprinter. 100-200 mètres. Médaillé d'or, Jeux des Îles 2019. Bardetier cause faux, hein. Ok. Si l'esprit n'a pas, si le poli waterfront. Top. Vrai ou faux, l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde de 1966. Vrai. Oui, en excluant 2022, à quand remonte la dernière année où la France a joué la finale? Ça doit être 2008. Non, passe. Dans cette Coupe du Monde, quel est le nombre total de buts marqués par l'Équateur? Passe. Quelle est la nationalité de la femme arbitre Stéphanie Frappard? Française. Oui. Danish Dynamite. Et le surnom de quelle équipe nationale européenne? Vous prenez si vous avez dit Danish Dynamite. Mais Danemark. Danemark, mais oui. Mais un petit peu trop d'or. Nous révisons nos mêmes questions. Prenez si le public est dans la réponse. Vrai ou faux, l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde de 1966? Oui, c'est vrai. L'édition 66 s'étant déroulée au stade Wembley en Angleterre. En excluant 2022. À quand remonte la dernière année où la France qui jouait une finale, Jonathan? Eh bien, tape sur la tête. Tape sur le fond. 2018. Il va s'y gagner ça, là. Après, il ramène la coupe à la maison. Dans cette Coupe du Monde, quel est le nombre total de buts marqués par l'Équateur? Et là, on va essayer des 3, 4, 5, 6. Et la réponse que je vais attendre, c'est 4. Pour cette Coupe du Monde, l'Équateur a marqué 2 buts contre le Qatar et 1 contre les Pays-Bas et l'autre but contre le Sénégal. Donc 4 au total. Et puis bien sûr, la femme arbitre, Stéphanie Frappard, ce nationalité française. C'est au tour de Ryan Drapu. On est que ça n'a pas mené, mais le maximum récolté. 25 points, Ryan. On y va. Yes. Top. Vrai ou faux, le Brésil a remporté la Coupe du Monde 1970. Vrai. Oui, en excluant 2022, à quand remonte la dernière année où l'Argentine a joué la finale? 2014. Oui, dans cette Coupe du Monde, quel est le nombre total de buts marqués par le Sénégal? 4. Non. 5. Oui, quelle est la nationalité de la femme arbitre Yamashita Yoshimi? Japonais. Oui, Diamond Sharp, qui est le surnom de quelle équipe nationale Allemagne. Européenne? Oui, 5, le 5! 5 à la suite pour Ryan Drapu. Il y a un drapeau qui fait 5 dollars. Magnifique. Est-ce qu'il est suffisant pour décrocher les prix en or et décrocher le titre champion du midi?
Nous révisons une question rapidement. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde 70. Oui, c'est vrai. En excluant 2022, à quand remonte la dernière année où l'Argentine a joué la finale 2014. Et dans cette Coupe du Monde, quel est le nombre total de buts marqués par le Sénégal? 5. Nationalité de la femme arbitre Yamashita Yoshimi, japonaise. Et la Mannschaft, le surnom de quelle équipe nationale européenne? L'Allemagne. Terminé. Terminé concernant ma question. L'Odoise pour code fini. A pas d'inégalité, on va avoir une question en plus. Nous battons penalty. Le prolongation. D'après Jonathan, les carottes sont cuites. Pena. À quoi, non? Merci à nos partenaires. Man Sponsor, Pepsi, Super U, Ideal Shopping Center, Hune, Mad Max, Sunshield Center, Curpip, All Sport et Football Pool, Lototech, nous applaudit bien bien fort. Nos Man Sponsor, nos partenaires, s'il vous plaît, merci. Plus fort qu'il y a, plus fort. Avant qu'il nous annonce le nom de notre champion, nous sommes contents d'annoncer qui, pour cette année 2022, c'est la dernière. Le champion du midi, peut-être pourrait venir l'année prochaine. Nous arrêtez. Non, il pourrait venir. Et pour cette année, nous terminons ici au Port-Louis Waterfront avec Zut, avec le public. Nous sommes contents qu'il nous remercie N-Boren, cette équipe. Une équipe formidable qui n'accompagne moi depuis l'année dernière, le cas à dire. Une équipe qui ne m'en zoli. Malgré des hauts et des bas, malgré des critiques et autres, c'est une équipe qui ne tient ferme. Hein. Un grand bravo, s'il vous plaît, à sa jolie garçon qui est derrière la caméra. Gavesh Makan, s'il vous plaît. C'est lui le Gavesh. Bravo, Gavesh. Un grand sourire tout le temps souriant, pas hésiter, vous capable d'être nous la recherche de bonnes réponses. Bravo, hein, rien à dire. Un grand applaudissement pour Abhishek, Lim Gavoy Ban Jingle. Applaudissement s'il vous plaît pour Djoku Poussami à la réalisation, le réalisateur de cette émission. Niama, lui-même qui met micro, son, tout ça là qui dressé. Ouais, causé. Un petit peu plus fort. Applaudissements pour Niamal. Yannick Azor, s'il vous plaît. Plus fort, applaudissez à l'équipe champion du midi. Azim, Timons. C'est là nous le raté au goal. Azim, Timons. Enfin, l'équipe qui fait montage, tout ça, un gros applaudissement. Ça, oui, mais nous vous dire, bien sûr, non, on n'a pas peur. Applaudissements. Benen Koulen, s'il vous plaît, le directeur d'antenne, grâce à lui. Grâce à Venen qui nous a pas fait ça l'émission là, hein, fait ce plaisir à chaque fois de l'air déjeuner. Émotion vive, t'applaudis bien bien fort. Yanish Ngot Samé, l'équipe, les étudiants de l'Université de Maurice. Nous demandons beaucoup, mon étudiant, nous connaît qui des fois de travail très très dur. Mon étudiant a dit maintenant c'est semaine, mais parfois et nous demandons beaucoup concernant ma question. Et un grand grand merci à Yanish et les étudiants de l'Université de Maurice. Et moi, tu as envie qu'ils ont... Oui, Joe, nous finis, Diagavesh. C'est mon camarade, ça. Moi, tu as envie qu'ils ont fait du bruit pour une personne qui n'est pas présente aujourd'hui. C'est une personne qui n'aide moi beaucoup concernant mon téléphone candidat, gère l'émission dans l'ombre. Il fait un travail exceptionnel. Lola, mon papa, vous viens d'ornier. Moi, tu as envie qu'ils ont fait du bruit pour la seule et unique Caroline, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Caroline Beguet-Nou, on l'a. Merci Caroline, merci pour tout. Pour cette année, vous connaissez les parties faciles, beaucoup de stress. Et parfois, quand Caroline commence à cause beaucoup, nous finit, comprend qu'il panique d'en base, mais l'intini ferme. Et grâce à Caroline Solide, nous sommes capables de terminer cette année 2022 le champion du midi. Merci, merci Caroline, encore une fois. Bon. Il arrive là, vous donne. Attends, avant de donner. Oui, donc. Je vous demande tout le monde qui est ici, qui est présent ici dans Port-Louis Waterfront. Peut-être que la case, que tout, peut-être nous aussi pareil. Un gros applaudissement pour Brandon Spinelli.
ça fait pour vous dire. Je te donne si j'ai si libien, le gros libien, ou soit peut-être je peux travailler toujours, je peux écouter le radio, ou soit je peux checker les autres potables. À garçon là, on tout lit tous les jours. Brandon Spinelli. Quand il arrive, ça a l'air champion du midi là. Nous, camarades, nous causons correct tout là. Et quand il arrive, ça moment champion du midi là. Brandon, si mon père dit, hey, Brandon, ton Simon, champion du midi là. Après nous, ça. En tous les cas, chapeau pour ce gros travail qu'il lui-même lui fait derrière un candidat qui passait peut-être capable de trouver l'accueil qu'il lui a réservé aux autres, comment il accueille les autres, comment il explique aux autres comment jouer. Là aussi, parce qu'il est déjà présent, il gagne beaucoup d'explications pour nous donner avant de commencer, non? Ah ben, un gros applaudissement encore une fois, félicitations pour Don. Merci toi, merci. Bon petit l'homme d'une boule. Merci en tout cas. Ben, bon. Là, nous voyons le résultat là. Ben, nous donne le résultat. Tiens bon, attends un petit moment, nous faire suspendre ça, tirer un tigrin. Vous voyez, on comprend là, qui a gagné. Pas être à cas où. Vous faites une petite affaire, vous racontez une petite affaire moi-même, après nous donne le résultat, qu'ils ont dit. Un petit affaire qui n'arrive moi-même. Connais longtemps. Retiens footballeur. Comment tu dis maman, tu es quoi du petit footballeur? Moi du mollet un goût. Pas qu'être mollet, assez mollet. Comme tu connais, mollet là, il rétrécit, il tigrine. Ça l'aig qui m'a dit tatoué l'eau là. Et t'as mon petit mot, il ressemble bien un petit pigeon aujourd'hui. Faut pas qu'on trop montrer lui. Non, moi aussi, moi j'ai un bon footballeur moi. Parfois, moi j'ai dit, moi je prends ça la ligne gauche là pour monter comme ça, mon oui. Faut prendre la ligne gauche là pour monter. Ça faut des gars, comme tu dis, qu'on s'est tiré au dos, motocyclette pour suivre. Mais un coup, FIFA, j'ai pas arrêté de jouer. Vous connaissez qui fait? René, le football, vous connaissez? Enfin, moi j'ai René, pas René. Ryan. Tellement habitué à ce tonton. Ryan, le football, vous connaissez où? Vous dites, moi, c'est pas possible ça. L'arbitre, vous m'a soufflé match. Moi, je dis, moi, premier dit vous m'avez boule moi-même pendant que passe boule là moi comme ça déjà comment m'avez gagné boule là après sa action là FIFA vient la case déjà moi connais qu'arrivait ton Simon arrête de jouer depuis là ou pour gâter football là net tout qui n'arrivait au quoi comment boule là vini comme ça comment m'avez gagné boule là on va t'en tirer là dedans boule là par le droit qui boule là monter les boule là tombé l'arbitre soufflait 45 minutes mi-temps. Ouais, Olivier Tom ou dans le vous avez Olivier Tom? À cause de ça, j'ai arrêté de jouer, pas jouer au coup. Vous avez Olivier Tom? Premier épisode, il t'a mené boule. Troisième épisode, il rentre de steak, il rentre de boue. En tous les cas, merci tout le monde qui me suit le champion du midi. Bon, quoi, c'est l'heure des résultats. Applaudissements pour Don Simon, s'il vous plaît. Merci, Don. On reste avec nous? On reste avec vous. C'est ça même. Pour que ça ne coule là, un petit peu là. Allô? Quel suspense? Oui. Je vais mettre mon portable, je vais trouver un bon message. Qui dit ça? Je ne sais pas qu'on comprend ce qu'il y a, mais. Ah, nous gagnons Facebook, d'accord. Venez me dire non, comment on va le connaître? Al-Gaté où? Vous savez, avoir agenda pour demain, non? Gagnons Facebook, exactement. Où Gitbot CP? Il met tout réponse sans commentaire. Il y en a deux, hein? Le gagnant, c'est ça? Ansel. Comment vous connaissez laquelle qui est là? Dernier, très bien. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le gagnant Facebook qui remporte un ballon de foot offert par The Football Pool. Le deux deck, Gona Bayanandi. Applaudissements pour Gona Bayanandi. Bravo. Quand piano du portable, Brandon. Pas piano qui faut parce qu'il s'est résonné ici. Mesdames et messieurs, nous entendons tout. Mesdames et messieurs, le public présent ici au Port-Louis Waterfront, les internautes du défi média.info, la chaîne YouTube Télé Plus, les auditeurs de Radio Plus, le champion du midi, le grand champion spécial, Coupe du Monde. Bon, envie de le faire. C'est là la présence. Le champion des champions. Ryan Trabu. Il est vraiment. Il est vraiment.
Et bébé pour Ryan. Ryan Trapu. Un jeune homme comme ça, un ZS qui l'a joué dans Ryan. 19 ans. 19 ans Ryan, rendez-vous de... voilà, au milieu. 19 ans seulement, il décroche le titre champion du midi. Le Radio Plus et Défi Média. Point info, bravo. Allez, nous donne point. Point Sigui, fait suivre depuis le début. Jonathan Bardetier, 60 points. Bravo, Jonathan. Ryan Trapu, 85 points, bravo! Jonathan Bardetier, merci beaucoup, vous nous jouez le jeu, vous connaissez. Pourquoi aller pas évident pour Vin dans le studio à chaque fois, huitième de finale, quart de finale. Mais non, mais c'était un plaisir, pour être dans ce genre de mission là. Oui. Allez, comme vous passez le sujet, mais j'ai deux minutes dans ça fait du visite. Voilà, beaucoup de monde suit ça, alors ça fait plaisir qu'il m'en enfin, qui m'en remercie l'équipe, je vais me rendre de mettre nous à l'aise à chaque fois qu'il vient dans le studio. Et grand félicitations au petit Ryan Trapu. Le petit Ryan. Il vient grand, c'était toi. Grandi. On trouvait. Ben, au pas démérité, Jonathan Bardetier, un joli parcours. C'est le jeu, tu vois. Le dictionnaire, il y a le mot gagnant, le mot perdant. Très souvent, moi, je dis ça, man bon, si pas que je viens de la réception, moi, on expliquait là-dedans. Oui, on trouvait. Et moi, je dis que le mot perdant, il existait. Mais ici, le Radio Plus, c'est défimédia.info, ou pas perdu, ou tout le temps gagné. C'est pour ça qu'il. Je suis content de offrir où on va plutôt le football pool, l'autotech peut offrir où 5000 roupies, bravo. Bravo, monsieur Guido Villa, en plus au Gaïa Pool. Au milieu, voilà. Applaudissements, bravo. Plus fort que ça, pour Jonathan Bardetier. Magnifique. Waouh. Merci. Merci Monsieur Guido, merci l'Autotech, merci Football Pool. Football Pool. Là pendant la Coupe du Monde, il commence et Wandon. Et moi, on a l'occasion, Vincent, il est tout ici. Tous les jours, formidable équipe ici. Et Jonathan Bardetier, est-ce qu'il vous a quelques remerciements, une petite dédicace? Ah, ouais, où c'est ce qu'ils ont envie de dire. Enfin, vous terminez. Remercier, enfin, tout le monde qui est là, qui est présent aussi, là, avec nous, encourage nous. Alors, remercier à tous même. Et à ma famille, à ma famille qui est là, qui est ici. Merci beaucoup de votre présence. Un pronostic. Merci beaucoup. Un pronostic pour ce soir, l'Argentine, France. On peut déplaire à moi de Ryan. Oui. On préfère l'Argentine. Ça, l'Argentine. Donnez un score du côté. D1 pour l'Argentine. Messi met ce goal, tout. Voilà, pour Messi, à comme Messi, on va dire ça, comme Messi. Le dernier Coupe du Monde, peut-être. Peut-être la dernière Coupe du Monde, voilà. Terminé une bonne note. Applaudissements pour Jonathan Bardetier. Oui. Et notre champion des champions, Ryan Trapu, qui décroche les prix en or. Tout d'abord, comme promis, un téléviseur, un Smart TV de la marque Sharp, offert par Ideal Shopping Center. Et Monsieur Nour, qui est présent ici pour remettre sa prix-là à Ryan Brandon. Oui. Monsieur Nour. Applaudissements pour Monsieur Nour de Ideal Shopping Center. Bravo. Ideal Shopping Center. Ah, Monsieur Nour. Ah, pourquoi Michel Nour? Mais vous pouvez essayer un Béial. Où d'ouvrir? Ça fait Michel Nour, là, ça. Je viens à la Ligue, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va? vous pouvez faire des bosses, vous dites, quoi? Pourquoi pas? Deux. Allez. Waouh, quelle retrouvaille, Brandon! Alors, Monsieur Pirali, vous avez quelques mots concernant le prix Ton? Bien sûr. Passez le micro rapidement. En tous les cas, félicitations à Ryan et merci, Monsieur Pirali. Félicitations à le grand gagnant. Ideal Shopping Center, très content pour associer avec Radio Plus dans sa compétition-là. Et un très bon niveau. Mon Denis a félicité également. Merci beaucoup. Un grand bravo à le gagnant, Ligue 1 Télévision 42 pouces de la marque Sharp. Et il est capable de continuer à apprécier l'activité sportive. Et promotion au magasin Ideal, continuez, vous êtes tout capable de venir
a pour lui plein de vertus. Merci. Merci beaucoup, monsieur Birali. Bravo. Monsieur Birali, vous professez au Collège Impérial. Oui. C'est bien CV, Alien. Là, on peut tout lire, rire. Hein. Et tiens, tu peux plus, mec. Mais pour une arrive là, mon don, en deux. Il bien, c'est bien. Oui, oui, oui. Monsieur Birali, bien, c'est bien, vous contribuez beaucoup. Alors, Ryan Trapu qui nous remporte ce téléviseur. Bon, nous avons encore un télévision là. Nous, on va le prendre. Il est à Shopping Center. Et également, un smartphone de la marque Honor. Valeur de plus de 20 000 roupies. Et c'est Ziad Isaac. Assez. Qui vous remet ce sac à deux là à Ryan Trapu. Ziad Isaac, les mêmes âges. Les mêmes âges, Ziad Isaac, vous êtes habitué, oui. Full Manchester. Un cheveu bien peigné dans la tête. Oh. Oh. Ziad, si, tiens, le coup de M. Perali, Ziad, vous connaissez? Ah, vous connaissez aussi. Ah, d'accord. Pas encore fini. Pas encore fini. Et. Sil, le mot m'a fait où ça? À la Lila. Est-ce que vous devant? Un Sil, vous fait pour Mighty Printing and Technologies. Il un Sil souvenir, un Sil champion. C'est mascotte de la Coupe du Monde 14-22. C'est la Coupe du Monde qui ne va pas oublier jamais dans la vie. Voilà! On va connaître mon don, avec toute l'émotion, tout ce qui est arrivé là. Oui. Ryan, il y a un petit mot seul. Ça voulait rien faire ça un coup à taper là. Vous avez fait ça là? C'est moi, Ryan. Vous avez les foules. Si une baisse la pression. Oui. Vous ça voulait tant que ça. Là, il s'est attrapé là. Allez, ouvrez ici là. Oh, venez me dire les foules là-bas. Sur la scène. Oh, il y a la scène de Dine. Ah. Mettez sur place. Bon, ben nous. Sans vous d'avoir toujours. Restez là avec nous, le public qui est présent. Nous vous bousez, nous voir de l'autre côté sur scène pour la suite de nos petits programmes ici au Port Louis Waterfront. Exactement. Et après, juste, nous voilà, retrouvons Ziad Isaac avec tout ce monde invité pour une analyse. Sa grand match qui vous déroule là, la finale de la Coupe du Monde. Un petit pronostic, donc, dernier. Pardon, Argentine. Argentine? Oui. Ryan? France 3-0. La France 3-0 pour Ryan Trapu. On a dit vite manger, vous autres. Allez, c'est terminé, c'est tout pour notre finale. Ben, le coup bascule. Allô, prochaine émission juste après. C'était Brandon Spinelli. Ciao, bye bye.